Ok, la famille, Tiens, je vois pas les commentaires. Est-ce qu'il y a du monde Je vois du monde arriver, mais je ne vois aucun commentaire. Ah, Lily Gérard. Salut, la famille. Très rapidement, parce que je crois qu'il n'est même pas 10h. Qu'est-ce que vient foutre Rodriguez dans un live à 10h du matin Eh ben comme les conneries, ça commence vachement tôt aussi à la télévision. Je me dis qu'il est important de commencer vachement tôt à répondre. Donc voilà pourquoi je fais un live avant 10h du matin. Parce que là, je suis un peu énervé. Donc, je vais aller boire un petit café. Et puis, comme ça, je vais vous dire. Donc, je vais vous mettre dans le lien là, juste au-dessus. D'accord Une question bête. Bête au possible. De gens qui se croient supérieurs à nous. De gens qui se permettent d'être plus intelligents que nous. Qui se permettent de parler à notre place. Alors que je ne suis même pas certain qu'eux ont... En tout cas, la possibilité de faire un plein. Ils habitent Paris, ils prennent le métro, ils se font conduire en VTC. Donc, je, je sais même pas, je, je suis même pas certain qu'ils soient capables de, de vous dire le prix de, de l'essence. Donc, ce matin, sur les grandes gueules de RMC, vous avez toujours les mêmes trublions qui viennent chier sur la gueule du peuple parce qu'ils sont pas contents parce qu'apparemment la hausse du carburant. Ça parle des gilets jaunes. Ça utilise toujours le, le préfixe re, reviennent, reprennent, retour, euh, enfin tout ce qui est en re. Non mais. Olivier Truchot, Monsieur Marshall, c'est quoi que vous ne comprenez pas dans le français, que les Gilets jaunes ne sont pas de retour Les Gilets jaunes n'ont pas quitté le terrain Vous avez voulu les tuer par vos saloperies médiatiques et votre diabolisation Vous avez voulu les flinguer en participant activement à la police, à faire en sorte qu'ils se taisent vous avez cautionné le gouvernement pour faire en sorte de nous fermer nos gueules. Mais on est là, on est là, monsieur Alain Truchot, Olivier Marchal, on est là. Alors je sais que ça vous déplaît, vous préfère, préférez faire votre petite sauterie en direct avec toujours les mêmes gueules, toujours soi-disant les mêmes grandes gueules qui ne font que gueuler toujours la même merde et qui ne font même pas avancer le débat, parce que vous ne faites même pas participer des gens concernés. Alors vous allez me dire, oui, mais on a Benjamin Cauchy, un ancien gilet jaune. Non, un politisé qui a utilisé le mouvement pour se faire un... Non avec les gilets jaunes, ça c'est une différence. D'accord? Donc à un moment donné, les gars, vos questions de merde là, avec vos sondages, la hausse des carburants, les gilets jaunes sont-ils de retour Vous prétendez faire de l'information et vous êtes complètement désinformé. Vous prétendez donner des informations à, 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 vos, à votre audience alors que vous n'êtes même pas informé. Les gilets jaunes sont pas de retour. Les gilets jaunes existent depuis trois ans. Les gilets jaunes existent depuis que Macron a foutu la merde dans leur vie. Et comme il a continué à foutre la merde dans la vie des gens, les gilets jaunes existent toujours. Faut vous le dire en quelle langue? En espagnol? En anglais? En arabe? En chinois? En coréen? C'est quoi le problème? Puis alors, quand t'appelles le standard, hein, tu restes une heure au téléphone et là, on te donne pas de, de réponse. T'as aucun gilet jaune sur le plateau et que des gens qui parlent à notre place. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Pourquoi vous auriez peur des gilets jaunes Vous avez la police qui mutile. Vous avez la police qui éclate des gueules dans les manifs. Vous avez le gouvernement avec la justice qui met des gilets jaunes en prison. Vous avez peur de quoi les gars Que ça explose Oh Alors je vous invite, là, toutes les personnes, mettez sur votre page ce live. Allez voir le fil d'actualité avec les augmentations de l'essence, l'augmentation du fioul. Le fioul a pris 47 euros en une semaine. Allez voir, allez partager ce genre d'information parce qu'ils ont du mal à comprendre dans les médias. Ils ont du mal à comprendre que les gens veulent vivre. Veulent vivre. Alors arrêtez d'avoir peur des gilets jaunes parce que ceux qui vont rentrer sur le marché de la misère, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Ils vont mordre beaucoup plus fort que les gilets jaunes. D'accord Ils vont s'énerver beaucoup plus vite que les gilets jaunes. Ok Alors les amis les grandes gueules, quand vous aurez des couilles bien pendues, d'accord Parce que vous vous prétendez grande gueule. Mais vous êtes là, vous gueulez derrière votre micro. Et bien quand vous aurez enfin acquis la notoriété d'être vraiment une grande gueule, invitez des gens sur votre plateau. Invitez des gens sur votre plateau, des gilets jaunes, pour qu'ils vous puissent vous répondre. Parce que là, vous faites les costauds de votre, de, derrière votre micro à balancer des saloperies, à balancer des sondages de merde. Hein. Comme au début de la rentrée, hein, les, les, les antipas vont-ils pourrir la rentrée alors, vos petites questions, là, bien dirigées pour euh, lécher le cul du gouvernement et bien vous faire voir et ramasser de la thune qui viennent de nos impôts pour pouvoir financer vos médias, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Alors, la famille, je vous invite à répondre à la question que je vais vous mettre au-dessus, là. Hein, la question de merde, hein, les Gilets jaunes sont-ils de retour Je vous invite à mettre, à mettre un commentaire sur Twitter en disant C'est quoi que vous ne comprenez pas Il n'y a pas besoin du préfixe RE. D'accord Il n'y a pas besoin du préfixe, c'est pas ils reviennent, ils ne sont pas de retour, je ne sais pas ce que. Enfin bref, on est là. Dites-leur, on est là depuis 3 ans, 17 novembre 2018. Ouais, il y en a qui sont rentrés à la maison. Mais il y a une poignée de déterminés, une poignée de résistants. D'accord Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous avez le droit à la parole, c'est que grâce en 1945, vous aviez une poignée de résistants qui, ont, qui sont battus contre l'envahisseur, contre l'autoritarisme, contre la dictature nazie. C'est pour ça que vous avez le droit à la parole, chère personne du, des médias. D'accord c'est pour ça. Donc, à un moment donné, on va respecter un petit peu les résistants, ceux qui essayent de se battre pour l'ensemble des Français. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. moi je suis pas là pour plaire. Hein. Je ne suis pas là pour plaire. On n'est pas là pour plaire. On est là pour défendre un message, un message qui date du 17 novembre 2018. D'accord Fin des taxes, fin des privilèges, justice sociale, justice fiscale, démocratie directe. Parce que la démocratie directe, elle n'existe que chez vous, que sur vos plateaux, que avec votre micro. Mais alors, pour les autres, il n'y a plus personne. Pour les autres, il n'y a plus personne. Alors les amis, la famille, partagez, que ça vienne aux oreilles de Truchot et Marshall. Voir que s'il y a défaut d'être des grandes gueules, s'ils ont des grosses couilles. Excusez-moi du terme, hein, je sais que ça peut affoler quelques oreilles. Mais à défaut d'avoir des grandes gueules, est-ce que vous avez des grosses couilles, Alain, Truchot, Olivier et Marshall Parce qu'à un moment donné, vous avez une grande gueule, vous poustillonnez sur la table, mais quand est-ce que vous allez les mettre sur la table, vos couilles à défaut de mettre vos, posti vos postillons de haine. D'accord Vos postillons de haine, de désinformation, de diabolisation de l'ensemble du peuple français. OK Alors ouais, je vais continuer le fil d'actualité avec toutes les augmentations que vous allez vous prendre, que nous allons nous prendre. Hein, il commence à faire froid. Le fioul a pris 400 balles en un mois, a pris 47 euros en une semaine. L'essence n'a jamais été aussi chère. Allez voir dans vos régions, allez voir dans vos départements, vous allez voir... Qui paye le plus cher dans les départements de France, l'essence. Allez partager ce fil d'actualité, que les gens soient au courant qu'à un moment donné, on va leur manger la peau sur le dos. On va venir chercher ce qu'ils n'ont même plus. Et quand on n'a pas ce qu'on n'a pas on ne peut plus donner, ils vont venir chercher chez nos enfants par la suite. Parce qu'on est là, il y en a beaucoup qui instrumentalisent les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Ouais, mais les enfants ils peuvent pas aussi ne pas mourir de faim. Ils ont aussi besoin de profiter de la vie. Ok la famille, je vous fais un bisou, je vais aller boire mon petit café, me détendre, réfléchir à tout ça. Okay euh, si vous êtes fier d'être gilets jaunes, si vous êtes fier d'être un citoyen en colère, si vous avez envie de défendre vos familles, si vous avez envie de vous défendre face au, à la hausse des prix, de faire entendre votre gueule, cliquez sur le lien, allez voter à leur sondage de merde et mettez en commentaire que les gilets jaunes ne sont pas de retour. Les gilets jaunes ont toujours été là, malgré le fait qu'on a essayé de nous fermer notre gueule. Soit... Par la voix des médias, soit par la voix de la police, soit par la voix de la justice. D'accord On en reparle quand vous voulez. C'est comme ça qu'on ferme des gueules. En essayant d'aveugler la population. Mais non, on est là, même avec un œil. On est là. On est là, la famille. Je vous fais un bisou. Courage à vous tous. Il fait frais ce matin. Couvrez-vous, parce qu'à défaut de pouvoir vous payer du fioul, va falloir penser à acheter des pulls. Bisous, à la famille.